Nine Circles et Manus. Oh voilà, mais j'apprends des trucs. Ouais, il y a vraiment une divagée sur les niveaux Nine Circles. Hein. Le top 1, c'est Coin Circles. Le top 1, c'est Coin Circles. Le top 2, c'est The Hallucination. Et le top 3, c'est Aerial Gleam. Le top 3, c'est Sonic Wave Infinity. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Après, le top 4, c'est Aerial Gleam, ouais. Le 4, c'est Solar Flare. Ah mais putain, j'oublie qu'il y a des niveaux comme ça qui sortent. Le top 5 c'est bien Aerial Gleam. C'est Cosmic Cycle. Non, le top 5 c'est Aerial Gleam, rien à foutre. Ouais bon, il y a le top... Alors en fait, il y a genre la Record Tracker et la Extra Tracker en fait. La Extra Tracker c'est les niveaux que genre, il y a certaines personnes qui croient que c'est un niveau Nature Coach et d'autres non. Dans la liste, il y a Aerial Gleam. Qui est d'ailleurs du coup numéro 1 dans cette liste. Pourquoi c'est pas un surface pour toi Aerial Gleam? Mais pas forcément. Stop. C'est top combien Bosha Vortex? Bosha Vortex. J'ai bit Delta Interface, enfin. C'est 97ème. GG. Non, GG. Quoi? Il s'est passé quoi? Il a bit Delta Interface. GG. Moi je suis en train de faire Ease. Allez. Ah les gars, je suis sur Ease, c'est plus dur que Delta Interface. Ça fait plaisir de bit ce niveau. Enfin. De grenade. Les gars, on va tous liker son commentaire. S'il en est bien.